Ông quỳ cho. Ông chuẩn bị cam to cái tầm la ca này tới phía tầm la ca đòi với ca chuẩn từ tháp bên nhà rồng anh ta chết đâm bay mà to cả tăng nó xung đột đòi cho buộc nẹt chuẩn liền. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez dit dans votre chapitre intitulé Locard, Oui, en effet, je sais que cela fait l'objet de controverses et je crois surtout de délégations de l'intéressé. Après l'arrestation de l'intéressé. Les Cambodgiens, Khmer, le petit groupe qui dirigeait le Parti communiste chinois, ce qu'on sait, c'est que nous, un discours en particulier, un document FBI.
en anglais 001 8 2 0 5. Une partie de ce document est invisible. Donc dans votre ouvrage, c'est à la page 107 et 108. Je cite, nous devons poursuivre notre tâche et défendre notre Cambodge démocratique. Protéger notre gouvernement ouvrier paysan et préserver les fruits de notre révolution cambodgienne en écrasant résolument toutes les catégories d'ennemis. Les empêchant de commettre tout acte d'agression, d'ingérence ou de subversion contre nous. Pour montrer que nous sommes maîtres de la situation, tout en suivant les politiques intérieures, étrangères et militaires de notre organisation révolutionnaire. Tout doit être accompli proprement et jusqu'au bout. La traduction en français de ce document mais il y a tout de même deux termes qui m'interpellent. Interpréter ce terme résolument toutes les catégories d'ennemis. Quel sens devait-on donner sous le régime du Cambodge démocratique à ces mots dans le discours de Kusampan? Oui, c'est le même discours que celui où il mentionnait les enfants. C'est un discours qui est extrêmement important puisqu'il est prononcé au moment de la fête la plus importante du pays. Il ne faut pas oublier que les Cambodgiens avaient supprimé le 9 janvier. La chute du régime démocratique, qui n'était pas au courant
Selon votre analyse, de par son rôle, son rôle en tant que responsabilité économique, parfaitement informé des grandes politiques que développe le régime démocratique, que ce soit en matière de sécurité, de grands travaux ou de relations avec les pays étrangers. Vous me posez là une question auquel on ne peut répondre que par évidence, son Excellence Khmer avait les yeux fermés, les oreilles bouchées et la bouche fermée. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faisait là? S'il si voulait absolument pas être au courant de ce qui se passait, à ce moment-là, il aurait dû demander à résider, à être envoyé à la campagne. C'est simplement impossible. J'en viens à un autre sujet, Est-ce que c'était une tâche importante ou au contraire diminuée au fil du temps? Là, on a déjà évoqué ce problème. Il est vrai que plus le régime avançait, plus il était évident que la révolution était loin d'atteindre les ennemis. Au lieu de se retourner vers eux-mêmes, je pensais que les axes révolutionnaires, les grands axes de la politique du parti
produire les rendements imposés, c'était parce qu'il y avait des saboteurs, des paresseux, des traîtres qui étaient cachés, tapis au sein de l'économie populaire. Et donc la paranoïa, c'est-à-dire la croyance d'un complot, n'a fait que croître et augmenter à mesure de l'avancée du régime. Et à mesure que les prisons se remplissaient, à tel point qu'on n'arrivait plus à interroger tout le monde. On l'a vu à l'Isle-Matin, parce qu'à la fin, il y avait des gens qui passaient directement à Chol-Aïk, sans qu'on allait pas les interroger. Mais c'était un phénomène général. Alors là, on a de très nombreux témoignages. On regrette évidemment beaucoup que le tribunal ait choisi tout pour Srei, je crois. Un massacre de haut-officier supérieur, les mots importants du régime, alors qu'on aurait pu prendre bien évidemment Phnom Penh, ou très évidemment Battambang. C'est un exemple qui nous touche personnellement. L'exemple le plus typique, évidemment, de ce qui s'est passé à Battambang. À Battambang, il faut savoir que toute la région ouest du pays est considérée comme la région dominée par les Khmer Rouges. Bon, c'était dans la dernière période du Cambodge démocratique, et aujourd'hui. Mais c'était la seule région du Cambodge qui était restée entièrement sous le contrôle de la République. Donc la répression dans l'ouest ou le nord-ouest du pays était sanglante, puisque toute la population dans certains districts n'était qu'il n'y avait que des 17 avril, que des d'un peuple que des pratiques Khmer, que du peuple nouveau. Il n'y avait pas de peuple ancien. À Battambang, on a divisé l'armée républicaine en trois. Les officiers supérieurs ont été priés de mettre leurs uniformes pour aller immédiatement à Phnom Penh et accueillir Sihanouk à Pochentong. Les petits sous-officiers ont été regroupés et envoyés à Tmoko, où d'ailleurs ils ont été tous exterminés à Tmoko. Et quant aux soldats, et leurs familles, on les a expédiés vers le sud, vers Phnom Sampok, puis ce qui allait devenir Camping Pui, et c'est eux qui ont commencé ce camp de travail, ce dimanche chantier de construction de Camping Pui, qui est, que vous savez, beaucoup de gens ont dû y aller, une des réalisations les plus frappantes du régime. Petit à petit, beaucoup sont morts ou d'autres ont rejoint les communes populaires. Voilà. Alors, ce qui concerne les officiers supérieurs, quand ils sont arrivés à Mong, le district de Mong, qui est tout de suite
à l'est de Battambang. On leur a fait prendre la bifurcation de Phnom Tipadei. Le Phnom Tipadei est un lieu où il y avait des pagodes et où il y avait la gare, la gare du district de Mong, à une certaine, à peu près 10, 15, 20 kilomètres de la route nationale. Après avoir franchi un ou deux kilomètres, les camions se sont arrêtés, on a fait défendre sous ces officiers et ils ont tous été mitraillés. Ce massacre de Phnom Tipadei est un des plus connus aux officiers de l'armée républicaine, et je regrette infiniment que ce n'a pas été celui qui a été choisi par les tribunaux. Donc, en plus, on pouvait avoir des témoins. Moi, j'ai trouvé des témoins de gens qui ont prétendu être morts, mais qui n'étaient pas morts. Et on a laissé les cadavres pendant un certain temps de façon à terroriser la population. Passer les premiers moments suivants la prise de Phnom Penh et des autres villes, ហើយតាមមានការចាប់មីលីតឺមនុស្សអតីតទាហានលន់នល់ត្រង់ទ្រៃធំទៀតទេឧទាហរណ៍ដូចជានាយសិលការឬក៏នាយធានរងឬក៏កូនធានតូចតាចនោះ Alors le massacre de l'armée républicaine a été continué. Surtout évidemment quand les prisons étaient ouvertes, il y avait comme vous savez, des prisons qui existaient déjà sous la République, pendant la guerre civile. Dans les zones contrôlées par les rouges, par les révolutionnaires, mais tout au cours de l'année 1975, le réseau de prisons s'est mis en place. Alors, les prisons étaient soit dans anciennes pagodes ou dans l'ancienne école, où étaient des prisons construites à cet effet, qui étaient des longues paillotes, généralement oblongues, très longues, rectangulaires, très longues et assez étroites, comme dans la province de Kompong Chhnang, il y en avait beaucoup, on en trouve dans tout le pays. Et donc, ces arrestations dans ces prisons se sont faites au cours de l'année 75, mais surtout vers l'année 75. Donc au début, les premiers prisonniers, quand Meng Son et Pali ont été arrêtés, donc en décembre 1975, il y avait autour d'eux, parmi les prisonniers, des responsables administratifs de la République, mais également ceux qui n'avaient pas été tués tout de suite au début du régime, mais également des soldats de l'armée républicaine. Les femmes, ça a été dans un deuxième temps. Je me souviens, par exemple, dans la province de Posat, ce ne fut qu'en 1978, la dernière année, qu'on est allé chercher les femmes, on s'est acharné contre les épouses de soldats qui avaient été exécutés en 1976 ou 1977. Mais la pure totale de l'armée républicaine s'est poursuivie pendant tout le régime. Il faut quand même savoir encore une fois, c'était le chaos, l'anarchie qui régnait. Certains soldats ont arrivé à se cacher et ils sont pas arrivés à tuer absolument tous plus nombreuses probablement que les Khmer Rouge eux-mêmes. Vous avez parlé hier des archives est-ce que vous vous souvenez avoir vu des documents concernant des listes qui étaient établies de soldats, d'officiers de l'ONOL, dans ce district en particulier?
Oui, je crois que le tribunal a mon article que j'ai fait sur le site de Tam Kong. J'ai classé les 417 prisonniers. On a des informations sur 477 prisonniers. Et je continue, je l'ai revu encore hier soir, mais qu'il n'y avait pas énormément de soldats dans le nol. Il faut savoir que les archives qu'on a sont très partielles, les dates de guerre, fin de régime, 77-78. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de soldats de l'ONOL à exécuter. Par contre, la catégorie la plus importante, sur les 477, c'est-à-dire presque un quart, c'était des gens qui avaient fui le régime, qui cherchaient à se sauver au Vietnam. Vous voulez lire un extrait de votre analyse, justement, le distributeur Locard. Ce document porte le numéro E3-82-99. Sous le titre 2, les archives de Krang Thachan, en français. En anglais, c'est la page 0021-76-9-3. Le numéro en Khmer. Voilà ce que vous dites à propos de ces archives de Krang Thachan et de ce que vous y avez vu. Il y a des documents de deux sortes, principalement des rapports écrits sur place et qui accompagnaient les prisonniers à Krang Thachan, et des résumés d'interrogatoires au centre d'exécution. Il y a en outre six listes reprenant un total de 186 personnes. La liste de 37 noms est entièrement composée d'anciens militaires. Cette liste date du 27 avril 1977. Vers le moment où il semble y avoir une directive plus générale de traquer les anciens soldats restants de l'ONOL. Fin de ce question. Je vais rafraîchir votre mémoire sur le fait qu'il y avait également des documents datant de 1977 et notamment des listes d'anciens militaires de l'ONOL. Ce n'est pas un document nécessairement de Krang Thachan, mais plutôt de structure administrative de Krang. Oui, en effet, donc ma mémoire était défaillante, merci. Code 37 sur 477, c'est quand même une petite portion, donc encore un califinia. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, pendant toute la durée du régime, on a traqué les soldats républicains. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que, et c'est une question qu'on se pose aussi pour S21, Les prisonniers qui arrivaient à Krang Thachan Il y a un dossier.
chẳng cứ tham miên sầm nong ai xa mui hai sai hai hai mà toàn mau tiết hay chưa về cái bài chun mau cung nó cứ mau miên sầm nong ai xa mui hai sai hai người trăng nói những cái đối cơ quan gì mình chụp ba thế nhưng mình vô chụp ba thế nhưng mình đang thả tá đầm na ca nơi một tí xong phải mui nó dạng na thế còn mà tới nơi cục tam khai bến cứ ta chôn rồng cướp quạt về quạt từ đó cục tam khai nó cứ miên ai cả xa mau chụp mui hai quạt từ chụp mui từ cục trăng từ chan ấy chẳng cứ tham miên ai cả xa miên ấy chẳng cứ miên sạch lại thằng khai lấy ca xuôi chậm lái nơi con ông sập hâu kêu thuê hai sai sùng nu lục tiếng trong sông an nhã bắt đầu ai cả xa muối từ nè chậm niên cứ ai cả xa ở bảy slash mập thấy sai sập rầm bảy il s'agit de une série de documents de compte rendu provenant des archives de Trump qui ដែល តតង នឹង ការ ចាប់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1977 ចំពោះ យោធា លន់នល់ លោក ប្រធាន ខ្ញុំ សូម អនុញ្ញាត ផ្ដល់ ឯកសារ នេះ ទៅ លោក អ្នក ជំនាញ លោក ប្រធាន អនុញ្ញាត មន្ត្រី សភា តុលាការ ទទួល ឯកសារ ជា ក្រដាស់ ពី ថ្នាក់ បញ្ញារង អន្តរជាតិ យក ជូន អ្នក ជំនាញ Donc c'est un document qui comporte plusieurs pages, j'en ai sélectionné que trois. En français, ce sont les pages 2 à 4, c'est-à-dire IRN 00, 3, 1, 1, 6, 5, 9, jusque 6, 1. En Khmer, 00, 7, 9, 0, 8, 9, jusque 9, 1. Et en anglais, 00 3 7 6 5 6 2 jusque 6 4. Alors il s'agit de trois messages successifs. Le premier émane d'un certain Meun de la commune de Qingtong qui fait un compte rendu le 30 avril 1977 au district de Tramka. Et voilà notamment ce qu'il dit. Je cite. À propos de la situation des ennemis qui se trouvent dans ma base, après avoir reçu les recommandations successives de Locard concernant la vigilance à l'encontre des ennemis et le nettoyage des soldats des ennemis qui étaient dégradés, on a surveillé, examiné et identifié les personnes ci-après. Là, je cite. Deux personnes, dont un ancien lieutenant. Je vais lire rapidement les deux autres documents, en tout cas les extraits de ces deux autres documents. Donc, le suivant est un message dénommé Chun, c'est H-U-N. Je crois que dans une autre traduction, on parle d'un dénommé Pan, P-H-A-N. En tout cas, ça vient de la commune de Popel. Le 6 mai 1977. Et voilà ce qui est dit à Locard du district, au point 2. Je cite, 106 familles de soldats de l'ancien régime, soit 393 personnes, ont été écrasées par l'Encard et sont mortes. Point 3, il reste encore 631 familles de soldats de l'ancien régime, soit 896 personnes. Il y a au total 1513 personnes. Je tiens à préciser l'intention du parti. Il reste un certain nombre de familles qu'on n'a pas encore bien examinées pour savoir si elles étaient affiliées aux militaires de l'ancien régime ou non. Et enfin, le troisième document émane d'un certain Kit, chef de coopérative de la commune de Tapem, P-H-E-M, et il date de la même période exactement, du 28 avril 1977.
début de ce document, il est dit ceci. Après avoir reçu les recommandations du parti, j'ai examiné et nettoyé des ennemis qui étaient des gradés. Je suis descendu sur place pour examiner minutieusement le statut des gens. J'ai trouvé qu'il restait encore 6 personnes qui étaient des gradés durant l'ancien régime. Et là, il cite les noms et donne le grade, en général, lieutenant ou sous-lieutenant. Monsieur l'expert, est-ce que vous avez une analyse ou un commentaire à propos de ces trois documents qui datent de la même période dans le district de 34 et qui parlent de recommandations du parti, de nettoyage de soldats de l'honneur? Bien, alors, ces documents, je ne sais pas si je les ai ou si je les ai Cependant, ça me paraît des documents extrêmement importants, extrêmement intéressants, dans le cadre de la recherche du tribunal sur l'extermination de l'armée républicaine. Mais ça vous montre comment fonctionne le régime. Ça nous montre d'abord que les soldats qui jouent le rôle de la police, ce n'est pas eux qui font les arrestations, qui décident des arrestations. Ce sont bien les civils. Donc les personnages qui signent ici, comme le chef de coopérative, donc ce sont des Kamapiba, donc ce sont essentiellement des civils. Donc, ces civils reçoivent des directives, et membres du parti, ils reçoivent des directives du parti de faire la chasse aux ennemis et de les identifier. On leur a dit que, attention, il faut vraiment identifier tous ceux qui sont entrés dans l'armée de l'ONOL, entre parenthèses, c'est presque tout le monde, hein, parce qu'il y avait des recrutements forcés de la quasi-totalité de la population. Ça vous montre bien comment fonctionnait la machine à exterminer. Donc, directive venant du centre, catégorie qui était visée plus particulièrement. Un bon fonctionnaire, son rôle principal, c'était produire du riz, et deuxièmement, produire des ennemis. Voilà, donc, il produit des ennemis. Les pauvres malheureux, même s'ils ont été soldats pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, ils sont classés comme personnes à exterminer et envoyer à Mais je ne pensais pas que si tard, il y avait encore autant de soldats qui restaient. Je vais bientôt conclure, donc je vais laisser la parole bientôt à la partie civile. Voilà ce que vous avez dit dans votre ouvrage « Pourquoi les Khmer rouges ?» J'ai rencontré un réseau carcéral étroitement lié sur trois niveaux qui prenait dans ses mailles l'ensemble du pays. Fin de citation. Donc vous parlez d'une grande similarité dans le nombre et les méthodes d'extermination.
Quelles étaient les caractéristiques communes qu'on trouvait dans les centres de sécurité en termes d'organisation, d'interrogatoire ou non, de conditions de détention, d'utilisation ou non de la torture? Il est simple de vous répondre. Tout était pareil. Premièrement, la quasi-totalité des arrestations se faisait après la tombée de la nuit. C'est-à-dire les gens étaient emmenés la nuit. Deuxièmement, ils étaient emmenés au commissaire de police, au commissariat de police local, au poste de police local. Pas directement dans la prison, généralement, de... Deuxièmement, la première question qu'on posait à tous, c'est pourquoi vous êtes ici? Il n'y avait jamais aucun acte d'accusation, ça n'existait pas. Deuxièmement, vous étiez automatiquement traité comme coupable, puisque les personnages que vous avez cités ici, Monsieur Kit ne pouvait pas se tromper. C'était les membres du parti, donc ils connaissaient la vérité avec un grand V. Donc si vous suspectez, c'est qu'effectivement vous étiez suspect. Premièrement. Deuxièmement, au bout d'un jour, deux jours, trois jours, on vous emmenait généralement plusieurs personnes à la fois, dans tous les modes de transport possibles et imaginables. Quelquefois, ça pouvait être à pied, quelquefois, c'était sur une moto, quelquefois, sur une charrette, quelquefois, sur un camion. On vous emmenait dans la prison. Vous arriviez là aussi, la plupart du temps, la nuit. On vous mettait immédiatement dans les clans. La plupart du temps, les clans, c'est-à-dire les cèpes en fer, étaient... était en fer. Bon. Là, vous étiez, vous ne voyez rien du tout, c'était le noir. Le matin, vous vous réveillez, dans votre CEP, vous pouviez être 4-5 personnes, jusqu'à une vingtaine. C'est-à-dire, pour libérer un prisonnier, il fallait tirer la barre très très loin. Donc, il y avait des trous dans la salle de classe ou dans la pagode pour permettre à ces barres de glisser et de glisser les anneaux qui vous prenaient généralement les deux jambes. Ça pouvait être qu'une jambe, mais c'était généralement deux. Et quelquefois, dans les prisons plus terribles, on vous ligotait aussi les mains et le dos. Vous étiez par terre. Hein, il n'y avait aucune natte. Vous étiez sur du carrelage, sur du ciment, ou sur de la terre quand c'était des paillotes. Mais il n'y avait rien du tout, pas de natte, rien. Quelquefois, on vous laissait. Alors, le matin, on vous arrivait distribuer le bobo riu, c'est-à-dire le bobo très clair. Une louche et c'est tout ce que vous mangez. Vous étiez interrogé au bout d'un jour, deux jours. On vous laissait croupir pendant quelques fois ou deux jours, mais assez vite, on vous interrogeait. Les interrogatoires ne duraient pas du tout comme à Tulsling. Ça durait deux jours, trois jours, quatre jours. Vous pouvez mourir sous l'interrogatoire. Partout, il y avait des tortures. Ou du moins des menaces de torture. Alors ça variait d'une prison à l'autre. Ça variait aussi. Certains qui disaient, oh mais attention, sur la tête, il faut dire oui. Bad, tout le temps. Vous dites oui, si vous disiez oui, vous avez beaucoup plus de chances que oui, c'est moi qui ai commis tel crime, vous avez fait ceci, ceci, oui, même si vous n'aviez commis aucun crime. Mais si vous disiez non, alors là, c'était plus dangereux. Je peux continuer encore jusqu'à 4 heures pour vous dire pour les modes d'exécution, etc. C'était partout, pareil. Et toute dernière citation, c'est ce que vous avez dit dans le goulag Khmer Rouge. Il me semble que j'ai oublié de noter le numéro E3. Je voulais le donner tout à l'heure. C'est à la page en français 007-96291. En anglais 003-94614. Et en Khmer 008
22 6 0 7 0 8. Et je vais faire court, simplement lire une phrase ou deux. David dit ceci, pour la direction Khmer Rouge, la vie humaine n'avait pas plus de valeur que le plus petit atome flottant dans l'espace intersidéral. Comme des gourous pris de délire à la tête d'une secte, ils étaient saisis de ferveur millénariste, perdant tout sens de la réalité, sans parler d'humanité. Enfin, vous dites que les dirigeants Khmer Rouge avaient perdu tout sens de la réalité. Est-ce parce que la réalité leur avait été cachée et bien cachée, ou parce qu'ils ne voulaient pas voir cette réalité? Voilà, donc en ce qui me concerne, je pense que la phrase que j'ai écrite là, je la écrirai encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'elle a un sens, qu'elle correspond à une réalité. En ce qui concerne la question philosophique du pourquoi, c'est vraiment très difficile de répondre. Je peux simplement peut-être vous rappeler la citation que j'ai faite de Nguyen Chia, qui a dit « Il vaut beaucoup mieux tuer 200 ou 300 cadres, c'est-à-dire coupable ou non, même si on se trompe, il vaut beaucoup mieux tuer 200 ou 300 cadres que les 2 ou 3 leaders du pays. » Ça veut bien dire que la vie humaine n'a plus aucune valeur. Est-ce qu'ils étaient venus fous? Je pense que la défense aurait pu plaider cela, mais je crois que pour l'instant, on ne l'a pas fait. Ils ont refusé d'être examinés par des psychiatres, je crois, contrairement à d'autres, c'est dommage. Nate Fayer, après avoir interviewé dans son célèbre interview, il a dit dans mon pays, on dirait que ces gens-là sont dérangés, deranged. Oui. Il est évident qu'ils étaient totalement déconnectés de la réalité. Ils étaient complètement coupés en deux, schizophrènes, puisque dans leur vie quotidienne, avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants, ils ont été des pères et des maris modèles. Ce qui est le cas de Dutch, ce qui est le cas de Kyu Sampan, avec ses 4 enfants, sa jeune femme, il a été un mari modèle. Pol Pot a été un père modèle pour Pachata. Voilà. Donc, schizophrène, je sais pas. Merci de voilà qui concerne mes questions. Donc, la référence de la Khmer Rouge, CP3-28-11. ខ្មែររស់សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រគល់វេទិកានេះជូនសាមេតវិនមកដំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីសូមជួយថាមេតវិនមកដំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកសីចៅក្រមភិក្ខីតាមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនិងសាធារណជនសូមជម្រាបសួរ លោកអ្នកជំនាញខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់សួរលោកនៅរយៈពេលមិនច្រើនប្រមាណទេសម្រាប់សំណួរ I answer in English because more people understand English. លោកអាចជ្រើសរើសភាសាណាដែលលោក
ឆ្លើយបានតើតួយ៉ាងណាខ្ញុំស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរ Perhaps I'm going to use the English language because I think in this court more people understand English than the French. You're raising a fundamental and philosophical question, and this is of course the question that the Synod parties, which I see behind you, are all asking themselves. Why did the Khmer Rouge kill so many people? Well, this is the object of the whole of my book. Basically, to answer simply, because there was a big gap between the utopia and reality. The utopia was wonderful. Your leaders, like Khi Somphon, present here, and Nguyen Chia, wanted to make you all very happy, prosperous, and rich. They thought that communism or the communist paradise was the answer, but the paradise turned into a hell, simply because all their policies were the wrong policies. The very beginning, when they decided to use the legal means and the illegal means, or to use the full means, or the violent means, in particular for the fight for independence, because the movement started before the fight for independence. Every Cambodian, by the time of the Second World War, were in favor of independence, all of them, including Sisavat Muniret. And this is why he was not chosen as your next king. But they disagreed about the methods. Are we going to use negotiations, peaceful means with the French, or are we going to use violence? Now, the Khmer Isarak, the Khmer Isarak chose violence. The Democratic Party chose diplomacy and negotiations. So the first disastrous choice, of course, of the Isarak and the Communist, the Indo-Chinese Party, was to choose to gain independence through violence and initiate the civil war. So once you set violence at the beginning, it's very difficult to stop. The other reason was that the members of the Communist Party were extremely few, and I explained that before. So they could not operate by consensus. They had to operate by violence and terror. And the last thing was they were in a hurry. There was a mad hurry. They were convinced that Cambodian civilization was unique, was very special. We had been encore and we could do anything. So we can go faster. We are not going to follow the different stages like all other communist regimes, gradually go from capitalism to socialism, from socialism to communism. We go straight to communism and to communism, absolute communism, more communistic than any other regime. So in spite of the fact that the intentions were good, the methods were a disaster, all the disaster. And I think they were also very power hungry. They liked power. There is no greater power for a human being than power of life and death over another person. And I'm afraid that many men, particularly men and women, are so angry for power that they are prepared to do anything. សំណួរមួយទៀតអាចសមុកស្មាញតិចដែរនៅក្នុងលោកមានបានពិនិត្យឃើញទេនៅក្នុងការវិភាគរបស់លោកការដឹកនាំនៅសម័យនោះសម័យខ្មែរកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានបានយកភាពជាមនុស្សធម៌យកមកពិចារណានៅក្នុងការដឹកនាំនឹងដែរឬទេ Yes, I think it's a mistake to lump together all the Khmer Rouge as being cruel and inhuman.
young people who joined the revolutionary movement were very idealistic. Suen Sikun was an example of that. The young people of his generations were very idealistic, and they were very politicized, contrary to the youth today. He joined the movement, Chalana, the movement for independence, from the age of 16. That is very young and idealistic. But once they had joined this movement that had chosen violence and the weapons and war and civil war, they got, it was a snare, a piège, as Laurent Speak has said. You know, once you were taken into that movement, this was like a whirlwind from which you could not get out. But it is true that through the regime, you have examples of Khmer soldiers or Khmer Kamapiba who were kind and saved the lives of some people, gave more food to people. They were not all cruel animals. So it's difficult to lump them together because there were traces of humanity in quite a few of them. Some group of ten young men perhaps he tried to get paper had done a tea room we go with him and yet him so apparently I jump the toxin of my channel of ten. Well, I couldn't hey when I thought it by day I saw that Tom Raghu Rajun catching pity little from Ping in a monk boon, a legend for year pill, a song for year pill, type of two. សម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះហេតុដល់ពេលជួបសម្រាប់ហើយអង្គមេផ្កាផ្អាកិច្ចដំណើរការសមរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសមការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែសីហាឆ្នាំ2026ចាប់ដើមពីម៉ោង 6:00 ព្រឹកហើយសមការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គដើមសម្រាប់ក្រោយនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសមការបន្តស្ដាប់ប្រតិកម្មសីអ្នកជំនាញហងរីលូកាសូមពិគីជ្រាបនឹងជើងចូលរួមតាមពេលវេលាមកកំណត់នេះសូមជួយលោកស្រីវិអន្តាគីសេ Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques secondes simplement de votre temps. Je voulais juste savoir si, comme la pratique avait été faite parfois pour des experts, est-ce que les documents que nous avons listés pour l'expert lui ont été communiqués? Et si ce n'est pas le cas, je voudrais au moins donner quelques documents qu'on pourrait revoir peut-être ce week-end pour que ce soit facile pour lui lorsque je crois comprendre la direction de la Chambre qu'a priori les documents n'ont pas été communiqués. Donc si on ne sait pas. Donc, just take it from the reaction of the legal officer that that has indeed not happened. Okay, donc, មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលយកឯកសារពីលោកស្រីមេធាវីយកជូនទៅអ្នកជំនាញដើម្បីគាត់មានពេលវេលាសមស្របគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលយកឯកសារពីលោកស្រីមេធាវីយកជូនទៅអ្នកជំនាញដើម្បីគាត់មានពេលវេលាពិនិត្យនិងអានឯកសារនេះមុនពេលផ្ដល់ទៅខេត្តកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទ Je précise à l'attention de la Chambre des parties que ce n'est pas l'intégralité des documents que nous avons listés, mais au moins des articles ou des documents d'époque que peut-être l'expert n'avait pas auparavant ou qui a de votre temps de revoir.
នៅថ្ងៃនេះមិនតន់ចប់នៅឡើយទេអញ្ញាមរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាក្រោយទៀតហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការសរុបរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកោពាក្សសាស្ត្រីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកអ្នកជំនាញហងរីលូកាត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់គាត់និងឲ្យជួយគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបន្ទប់សម្ដារការនេះវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាក្រោយហើយបកអោយអនុរ
2016 ឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះ